Martine Aubry à l'Opéra de Massy, reprise du trafic des bus de la STA, état d'urgence accordé à certains cressiculteurs, développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, ils étaient environ 2000 à applaudir Martine Aubry à l'Opéra de Massy hier soir, venu soutenir son candidat François Hollande. La première secrétaire du Parti Socialiste évoluait dans un environnement évidemment favorable. L'Essonne a comptabilisé plus de 30% des voix pour le candidat PS. Un résumé de la soirée en compagnie de Claire Colombel et de Audrey Colle. En tant que socialiste, en tant que femme de gauche, nous pouvons tous être fiers d'être socialiste, d'être de gauche, d'être démocrate quand on est autour de François Hollande dans cette campagne. Martine Aubry a d'abord mis en avant le rassemblement de la gauche et a su flatter l'Essonne et ses représentants socialistes. Mais la première secrétaire n'a également pas mâché ses mots contre le président candidat, mettant en avant ce qu'elle appelle son bilan raté, l'augmentation du chômage et du déficit. Mais elle a également attaqué sur son terrain de campagne la sécurité. Nous, nous voulons la combattre. Et on ne la combat pas comme l'a fait la droite. François me le rappelait encore il y a quelques jours, quand, par exemple, au commissariat de Palaiseau, il y avait 220 policiers en 2002, 170 en 2012, et c'est programmé pour 130 si la droite repassait. Galvanisée par une salle surchauffée et pleine à craquer, Martine Aubry a présenté les propositions de François Hollande en parlant d'un programme juste. Elle est revenue sur les propositions chères à son candidat, les emplois jeunes, les 60 000 créations de postes dans l'éducation, ainsi que l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les partisans attendent une forte mobilisation pour le second tour. Elle apporte son autorité, elle apporte son expérience, elle apporte son enthousiasme dans cette campagne. J'attends du rassemblement, j'attends qu'on reste fidèle à nos valeurs, sans essayer d'avoir des voix au prix de nos convictions. Jusqu'au bout, on continuera à faire campagne. Le candidat est cohérent, il est constant. Il faut que maintenant, l'ensemble de nos concitoyens puissent faire leur choix en connaissance de cause. C'est sous les applaudissements que Martine Aubry a quitté la salle. Le meeting n'a certes pas eu à convaincre des militants déjà ralliés, mais a voulu montrer une gauche rassemblée dans le département. À présent, il souhaite une grande vague de tous les Français le 6 mai. À Étréchy, dimanche dernier, le maire Julien Bourgeois, d'hiver droite, en manque de bulletin pour les candidats Sarkozy et Mélenchon, a fabriqué lui-même une cinquantaine de bulletins écrits à la main. Alors, les organisateurs se sont rendus compte du manque de bulletins dès midi. Après avoir réparti les papiers dans les différents bureaux de vote de la ville, le bureau numéro 1 s'est allé faire trouver 100 bulletins de vote pour les deux candidats. Pour que tout le monde puisse exprimer son choix politique, l'élu a donc fabriqué ouvertement des bulletins, dont une dizaine aurait été comptabilisée dans le vote. Ce jour-là, personne n'a protesté, mais hier, une habitante de la ville a alerté la police. Le maire, quant à lui, assume son acte. C'est une procédure qui est tout à fait, me semble-t-il, légale. J'ai pris mes responsabilités parce que j'ai encore, en fait, dans les oreilles les paroles du commissaire du gouvernement dans une procédure où, en fait, la commune d'Étréchy était engagée et le commissaire du gouvernement avait eu l'occasion de dire en fait, ce qui prime avant tout, c'est la volonté de l'électeur. Et la volonté de l'électeur, effectivement, c'est de pouvoir voter avec des bulletins, malheureusement, là, écrits à la main. Par contre, j'ai pris la précaution, effectivement, de dire aux gens qui dépouillaient que les bulletins qui étaient écrits à la main pour Nicolas Sarkozy seraient des bulletins décomptés comme valables. Voilà. Alors selon la préfecture, un nombre suffisant de bulletins aurait été distribué et ceux écrits à la main n'auraient pas dû être comptabilisés. Mais d'après un article, R52 du Code électoral, en cas de difficulté, le bureau de vote doit faire le nécessaire. Le pire, si l'on s'en réfère à ce code, c'est de ne pas fournir les moyens pour les électeurs de voter dans des conditions optimales. Pour le moment, aucune décision officielle n'a été rendue. Alors que les deux candidats multiplient les meetings pour le deuxième tour, cherchant de nouvelles adhésions à leurs programmes respectifs, en Essonne, la fédération du Nouveau Centre se range du côté de Nicolas Sarkozy. Ses responsables regrettent le score réalisé par François Bayrou, ils l'écrivent, mais Nicolas Rougol et Christian Schott l'appellent tous les centristes à rejeter massivement la candidature de François Hollande en qualifiant de funeste perspective, je cite, la situation économique qui découlerait des accords PS, Verts et Front de Gauche. Fin de citation.
C'est un record. Après 30 jours de grève, suite à des négociations salariales difficiles, les bus de la STA circulent à nouveau dans les villes de Mennecy, Ballancourt, Ormois, Corbeil depuis ce matin. Le trafic reste encore perturbé en raison des vacances scolaires et devrait revenir à la normale d'ici peu. Les salariés n'ont pas eu gain de cause, sur leur salaire augmentera de 1,7%. La direction, elle promet de dédommager les quelques 10 000 usagers quotidiens ainsi pénalisés. L'amour ne serait pas aveugle dans un couple lorsque l'un des conjoints se met à grossir. De là à dire que les kilos peuvent tuer l'amour, il n'y a qu'un pas. On sait qu'à partir de la trentaine, les couples font un petit peu moins attention, histoire de confort de vie. Il y a néanmoins des femmes qui ne peuvent pas supporter l'arrivée du petit bidon et des poignées d'amour, de l'être aimé. Et puis il y a ceux qui ne retrouvent pas dans leur partenaire qu'ils regardent le soir probablement, avec des rondeurs épanouies, l'elfe rencontré quelques années plus tôt. Alors comment ça se passe vraiment dans un couple lorsqu'il y a des kilos en trop? Une équipe est allée demander à quelques Essoniens. C'est pas du tout mauvais, je dois pas prendre ça mal, quoi. C'est ma femme, donc je dois l'aider. Moi je pense que je prendrai soin de lui. J'avoue que dans mon cas, j'aurais plutôt essayé d'être subtil. Donc si je sais que ça la dérange de prendre du poids, ben, j'essaie de subtilement lui donner quelques conseils, des trucs. S'il y a prise de poids, ça veut dire que le couple ne marche pas et que forcément il y a quelque chose, il faut se poser des questions. Et peut-être aussi dans le côté positif, peut-être tout va bien et on se laisse aller. De l'embonpoint, moi ça ne me pose pas de problème. C'est pour l'aider après si on dit ça. Après ça dépend comment la personne elle voit ça. Hein. Moi, je pense que le plus important, c'est de se sentir bien. Donc, s'il se sent bien, s'il y a besoin de perdre du poids pour se sentir bien, dans ce cas-là, je l'inciterai dans ce sens-là. Il y a les gens, ça les gêne, il y a certains gens, ça les gêne pas. Je l'aiderai à faire des efforts, quoi, tout simplement. Une femme, plus on la gâte, plus elle est bien, elle vit bien. L'important, c'est la beauté intérieure de la personne, peu importe le physique. Bon, la salade en tout cas, ça fait pas grossir. Certains cressiculteurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministère de l'Agriculture a fini par reconnaître l'état d'urgence pour toute la filière au niveau national. La profession appelait à l'aide quand même depuis 3 mois. Le problème, c'est que le dispositif de calamité agricole répond à des normes très strictes pour pouvoir prétendre à des remboursements. Et seules quelques exploitations essoniennes sont éligibles. Cela dit, après la communauté de communes de l'Étampois, le conseil général et le conseil régional vont sans doute accorder à leur tour des subventions exceptionnelles. Pas de médaille, mais un billet pour les Jeux Olympiques de Londres pour le judoka David Larose, qualifié dans la catégorie des moins de 66 kilos pour les demi-finales des championnats d'Europe qui ont débuté aujourd'hui en Russie. L'Estonien s'est ensuite incliné à 2 reprises face à un Polonais, puis pour la médaille de bronze face à un Géorgien. David Larose se classe finalement 5e de cette compétition continentale. Figurant dans les 10 meilleurs mondiaux, il a malgré tout définitivement remporté quand même sa sélection pour les JO. Dimitri Dragin, son adversaire le plus sérieux pour être sélectionné en vue de cette compétition olympique, n'a pas passé le premier tour lors des championnats d'Europe. Et puis, cette toute dernière information, un jeune homme de 25 ans serait en état de mort cérébrale après avoir été touché par des coups de feu hier soir à Angerville. Des coups de feu qui ont été entendus aux alentours de 23 heures. Ce sont 2 hommes dans une voiture qui ont été la cible apparemment d'un ou plusieurs tireurs. Et l'un des occupants a donc été touché à la tête. Les 2 hommes seraient connus des services de police et l'enquête de gendarmerie, elle a été confiée à la brigade de Paris. Voilà pour l'essentiel de l'information. Merci de votre fidélité.